miles aside from us. So alors yo les gars, c'est Laiden, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo, setup 2021 les gars. Donc voilà, donc je vous dis déjà d'avance de vous abonner, de liker cette vidéo à la fin si vous l'aimez, de partager à vos amis et de la commenter pour le référencement. Sans plus attendre, passons au setup. Alors la chaise les gars, pour commencer, c'est une chaise que j'ai achetée sur Amazon les gars. De toute façon la majorité des produits qui seront ici seront dans la description, sauf peut-être mon écran secondaire, on verra. Donc bref, cette chaise c'est une Intimate W-Hert Racing qui m'a coûté 115€ les gars, donc j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Oh, c'est bien, on peut s'allonger à 130 degrés. Les seuls petits bémols, c'est les accoudoirs qui sont vraiment pas ouf, mais voilà. Et ça va ici, mais je m'en sers de repose-pied. Voilà. Donc après, on va passer au bureau, les gars, le bureau. Donc le bureau, c'est deux caissons IKEA, c'est les caissons Mike de mémoire, ils coûtent 50€ chacun. Posé sur une planche Linmon de chez IKEA qui coûte 30€ et qui fait 1m50 de là à là. Sur 75 cm de là jusqu'au fond. Voilà. Elle est blanche. Tout le bureau est blanc. Et voilà. Après les gars, donc on va passer à ma petite PS4. Donc c'est une PS4 slim avec une manette fournie dedans. Bon, j'en ai acheté une autre, elle est pas là. Mais voilà, avec une manette fournie dedans. Interoctée de stockage. Donc la manette, la DualShock 4, basique. Manette de PS4 noire. Écran secondaire les gars, donc c'est un Oceanic 21 pouces je crois, après je sais pas, après la référence j'ai jamais connu de ma vie, il coûte 50€, je vais essayer de vous le trouver. Derrière les gars, on a un bras de chez Amazon pour tenir ça. Donc le bras, c'est un bon tech de mémoire, je vais essayer de vous le mettre. Après les gars, donc la lumière, donc c'est une ring light pour m'éclairer en live. En vrai elle est pas si ouf que ça, mais franchement, pour le prix, pour au moins de 20€, elle fait le taf. Donc après les gars, donc petite figurine pop Thor dorée, voilà. Petite figurine pop Thor dorée. Donc les gars, donc on va passer à mon micro les gars, donc mon microphone, donc c'est le Neewer NW700, voilà, posé sur sa perche Neewer NW35 avec les petits trucs là que j'ai mis moi-même pour le cab management. Voilà. Non, il y a un filtre anti-pop fourni dedans, tout ça, bref. Dans le pack. Et le pack, il coûte 45€. Avec, en dessous, l'alimentation Phantom, donc, qui sert à alimenter le micro, parce qu'en fait, c'est un micro à faible gain, et pour que le son soit plus fort, quoi, en gros. Voilà. Et c'est la Neewer NW100. Tout le pack m'a coûté 45€. Voilà. Donc les gars, donc maintenant on va passer au casque. Donc le casque, c'est un casque qui s'utilise à la radio en général. C'est un casque très très connu. C'est le Beyer Dynamics DT770 Pro que j'ai pris en 80 ohms OHM. Voilà, donc ça c'est la résistance électrique ou je sais pas quoi. Je connais pas trop. Donc voilà, donc confort, donc il a coûté 120€. Confort excellent avec les trucs en velours. Même là avec là c'est mou avec la mousse tout ça. Franchement excellent. Excellent son, pardon. Excusez-moi pour le petit lapsus. Donc, les gars, après, on va passer à mon clavier, les gars. Donc, le clavier, c'est un Ajaz A433 avec des switches bleus. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Attendez. Hein. Voilà, switch bleu. Là, et après sur la barre espace, c'est une switch violette. Voilà, on va rallumer le RGB. Avec petite séquence ASMR. Bref, voilà. Donc, si on appuie sur FN et sur F8, on peut régler plein de.
les réglages RGB. Bon, là, j'ai pas trop envie de le faire, mais bon, voilà. Le tapis de souris, les gars, donc c'est un tapis de souris de chez Rocat. C'est le Rocat Kanga qui fait 330 mm, là, je crois. Non, 350. 330, je sais plus. Sur 830 de large. Enfin, de long, pardon. Voilà, Rocat Kanga. 1 mm, 2 mm d'épaisseur. Et franchement, elle est super, cette tapis de souris. Après, les gars, donc ma souris principale pour jouer, donc c'est la Logitech G Pro Wireless. Voilà. Donc ambidextre, 48 heures d'autonomie avec le RGB, 60 heures sans le RGB, 80 grammes elle pèse, je crois qu'elle peut monter jusqu'à 20 000 de DPI ou 16 000, je sais plus, bref, c'est très bien. Après, ma souris pour naviguer sur Internet, pour faire les montages et tout, c'est mon ancienne, c'est la Logitech G502 Hero, voilà, très très bien. Seul petit bémol, c'est qu'elle est un peu lourde, je trouve, franchement, 121 grammes, je trouve elle est un peu lourde. Mais en vrai ça va. Après les gars, donc ça c'est des petits trucs. Donc ça c'est un truc pour la souris, pour la G Pro. Ça c'est des poids. Ça c'est des poids pour la G502. Attendez. Voilà, c'est des poids. On peut ajouter comme ça sur la G Pro. Enfin sur la G502, pardon. On ajoute comme ça. Il y a un cache. Et ça là-bas, c'est pour changer les boutons de la G Pro. Parce qu'en fait. Là, j'ai mis en mode moi, vu que je suis droitier, ben en mode droitier. Après, on peut mettre en mode gaucher aussi. Voilà. Donc ça, on va tout remettre là-bas. Donc les gars, après, on a des lunettes anti-lumière bleues de chez iBlock. J'essaie de vous les trouver. Donc on va passer à ma webcam. Ma webcam, voilà, les gars. Ma webcam, c'est une Logitech C920. Voilà. Qui peut filmer en 1080p 30 fps, en 720p 60 fps, voilà, ce qui est très bien. Voilà, quand tu es en stream ou quand tu es avant le stream, tout ça, quand tu es en train de rec ou alors qu'elle est active, quoi, c'est l'RGB s'allume en bleu, donc ça c'est bien déjà pour savoir si les gens nous voient, si t'as mal arrêté ton stream ou pas. Donc après, les gars, donc l'écran principal sur lequel je joue. Donc c'est un Asus VG249Q, voilà, avec une dalle IPS, donc les couleurs sont très très belles. Temps de réponse de 1 milliseconde et une résolution, une fréquence de 144 Hz, voilà. Très 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 bien, franchement cet écran, il m'a coûté 200 euros. Franchement il est très bien cet écran. Ah voilà, cam 110 euros, ça 100 euros, non 120, ça 70 et ça 40, voilà. Pour les prix. Donc voilà. Donc, après les gars, on va passer au plus important, le PC, les gars. Donc le PC. Donc c'est un PC à 700 euros qui a été monté par Cybertech. Donc voilà. Donc de base, il coûtait 850 euros, mais ils m'ont fait une réduction. Merci à eux, franchement. Et vu que bah, j'ai vu que je savais pas qu'il fallait avoir Windows pour les PC comme ça. Mais quand j'ai voulu faire Windows. Bah, vu que j'avais acheté le PC chez eux, eh ben ils m'ont fait, de base il coûte 170 Windows Family avec l'installation et tout, ils m'ont fait à 50 balles. Franchement les frérots. Donc bref. Donc à l'intérieur les gars. Donc voilà, donc le boîtier c'est un Antec NX230. Voilà. Voilà, avec un ventilo, du RGB devant. Alors l'alimentation les gars, c'est une couleur master MWE 550 watts. Voilà. Donc en premier, je vais faire un peu le plus chiant. Ce qui intéresse le moins pour finir sur ce qui intéresse le plus. Le SSD, les gars, c'est un PNY 240 gigas. Et en tout, il y a un disque dur d'un tera de je sais plus quelle marque. Bref. Donc après, en processeur. Donc là, j'ai le ventilateur de base. Un processeur, j'ai un i5-10400F. Très, très, très bon processeur au rapport qualité-prix. Posé sur une Asus H470M, enfin Asus Prime, ouais, H470M+. Voilà, ma carte graphique c'est une Gigabyte GeForce GTX 1650, 4 Go de DDR6, de VRAM DDR6. Voilà, donc là les gars, après on a deux barrettes de 8 Go chacun, donc ça fait 16 Go en Corsair Vengeance RGB, non LPX, pardon, en canon 7 du 3000 MHz. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon PC les gars.
Et globalement, c'était mon setup 2021, les gars. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. C'était Laïden et peace.